Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la Je me suis littéralement fait hyper mal au pied à cause de mon épingle à cheveux qui est tombée sur mes orteils, ça fait extrêmement mal. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour la Glossy Box. Et oui, ça y est, nouvelle box que j'ai pris, que j'ai eu en abonnement cadeau pour mon anniversaire. Du coup, si j'ai bien compris, si vraiment j'ai bien compris, parce que là je suis pas sûre, comme c'est vraiment nouveau pour moi et sur le coup je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, les box sont toujours roses. À ce que j'ai compris, c'est toujours le même format. Elle est un petit peu défoncée au niveau de là, mais c'est pas grave. Elle est arrivée du coup le... On est quel jour aujourd'hui? Je sais pas. 12 juin, 13 juin, un truc comme ça. 12 ou 13, donc ça va, je trouve que c'est à peu près normal. Sachant que je trouve ce qui est bien, c'est qu'ils le préviennent bien quand la box part du dépôt. Et la date d'arrivée, sachant qu'il m'avait prévu entre le 16 et le 17 juin, et du coup elle arrive le 12. Donc je suis contente. Donc allez, c'est parti pour l'ouverture. Canon. Hop. Quand on ouvre à l'intérieur, voici ce qu'on y trouve. Du coup c'est le livret produit, ok, là franchement je découvre hein, sur le coup. Et Poolside Paradise Edition, ok, trop trop cool. Et ok, carrément il y a à l'intérieur les produits et ça même ça décrit. En juillet, préparez-vous à découvrir des petites merveilles. Nous vous promettons une chose, nous allons vous en mettre plein les yeux. Donc ça c'est trop cool. Donc je pense que du coup j'aurai une box juillet et après une box août. Je pense parce qu'ils n'ont pas précisé. Donc à voir, et là ça détaille les produits. Ok, sinon c'est canon, l'emballage et tout, donc on va ouvrir ça. Non mais attends, j'aurai la petite fiche produit pour regarder, j'ai déjà vu que j'avais un produit que je connaissais, le reste non. Ok, donc la Glossy Box, ça comporte 5 produits beauté, dont 3 full size et 2 travel size pour les emporter partout avec vous. Ok, donc c'est parti, donc on prend le premier et c'est un grand format. Ok, c'est cool, je connaissais pas, c'est de la marque Christophe Robin. Je sais pas si, hop, vous le verrez plus comme ceci. Et du coup c'est un shampoing délicat, volume naturel à la rose, soin quotidien, lavant protecteur, cheveux fins, colorés ou naturels. Ok, trop cool. Je pense pas l'utiliser moi, mais je pense le donner à ma maman parce que ça lui correspondra mieux. Moi c'est vrai que du coup j'utilise maintenant des cheveux spéciaux pour les cheveux gras, parce que sinon je vais me relaver les cheveux tous les jours. Après il est très bien, je pense aussi je peux l'amener en vacances ou en dépannage et tout, mais c'est vrai que c'est moins mon truc là. Maintenant j'ai tellement trouvé mon rituel pour les cheveux, vraiment 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 j'ai galéré, que du coup quand c'est pas spécial cheveux gras ça m'embête vraiment. Donc à voir, par contre sinon super bien, grand format, on va voir ce qu'ils vont dire dessus. Donc shampoing volume naturel à la rose, ce shampoing lave en douceur tout en redonnant volume et souplesse. Son pH acide resserre les écailles de chevelu pour limiter la fuite des pigments et garder la couleur brillante et fraîche. Il lave délicatement, apporte un volume naturel tout en protégeant votre couleur idéale. Après des journées longues à vous délasser dans l'eau de la piscine. Bah écoutez, je peux pas dire que c'est un coup de cœur dans le sens où ça me correspond pas forcément. J'ai tellement trouvé ma routine cheveux, je vous dis que là je suis happy et que j'ai pas trop envie de changer, surtout que ça me correspond pas vraiment. Mais sinon j'aime bien le format grand et tout, comme ça je trouve que c'est quand même un super bon produit. Allez, ensuite ça, je connais ce produit et j'en ai déjà deux, donc ça sera mon troisième clairement. C'est un gommage corps à l'Aqua Hero, par contre je n'ai jamais encore testé parce que j'en ai tellement, et d'ailleurs je me dis comme c'est des 30 ml, c'est hyper pratique pour emmener en vacances et tout, donc jamais testé, mais ça me fait déjà mon troisième là. Donc c'est de la marque Aqua Hero et c'est un exfoliant naturel au sel de Guérande. Ce gommage pour le corps va devenir votre nouveau héros du quotidien. Son super pouvoir, composé de sel de Guérande, de miel et d'aloe vera, ça doit sentir vraiment super bon en tout cas. Il exfolie en douceur et laissera votre peau intensément nourrie et hydratée, idéal pour un joli bronzage. C'est une marque française qui a un cœur de développer des produits pour révéler l'éclat de votre peau avec comme ingrédient principal l'eau. Ok, et du coup en format comme ça vous pouvez l'acheter à 5,35€. Non, 5,30€ pardon, et par contre le grand 28€, j'ai oublié de préciser, mais c'est parce que comme je connaissais pas du tout, ouais, j'ai pas assez fait attention. Donc lui, 28€ en grand format comme ceci, et lui, 5,30€ en petit format.
Ensuite, et en fait, j'ai pensé à un truc là, 28 euros, sachant que la box, il me semble, je l'enverrai le prix parce que je ne suis plus sûre du tout. En fait, le prix de ce produit est carrément supérieur à la box. Donc ça, c'est vraiment trop cool, clairement, d'avoir des aussi gros produits, je suis trop contente. Hop, ensuite, oh là là, il est beau. Ça s'appelle Chouiterie, enfin je sais pas trop en fait. Comment ils ont appelé ça, eux? The Beauty Crop, et ouais, c'est peut-être le produit qui s'appelle comme ça. Du coup, c'est une huile pour les lèvres. Ok, c'est cool ça. Hop, j'adore moi le packaging, par contre, je le trouve vraiment super canon. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop, comme ceci, comme cela. Je le trouve vraiment canon. Hop, et du coup, on va voir à quoi il ressemble. Oh, il est beau aussi, comme ceci. Hop. Tout pareil. C'est un full size. Ok, c'est là un gros format, très bon. Huile pour les lèvres, couleur changeante. Oh, c'est vrai. Et ça s'appelle Oui Chérie, ok. Cette huile pour les lèvres à la couleur changeante de The Beauty Crop ne nourrit pas seulement les lèvres avec sa base huileuse, douce et légère, mais la formule pH répond à la pigmentation de vos lèvres pour créer une teinte unique et améliorée. Ainsi, elle laisse vos lèvres avec une couleur magnifique qui vous conviendra parfaitement. Pour appliquer le produit, passez-le sur les lèvres en faisant glisser et en attendant que la magie opère. Et ça vaut 14 euros. Bah écoutez, honnêtement, j'ai vraiment hâte de tester très prochainement. Ça a l'air juste trop bien. Et je ne connaissais pas du tout autant la marque qu'un produit qui pouvait faire ça. Donc je valide totalement. Ensuite, hop là. Oh, c'est cool. Un mascara waterproof. Cool parce que moi j'ai toujours des mascaras, mais jamais waterproof. Donc là, je suis bien contente. Et n'empêche, on peut noter que le packaging est hyper canon. C'est l'eau de la piscine, clairement. C'est trop trop beau. Moi je valide complètement. Et ça s'appelle Plume and Poupy. Je pense que c'est la marque. Et ça s'appelle donc mascara et volume curl. Enfin, oui, book et volume de mascara. Ok. Donc à voir à l'intérieur comment il est. Ah, j'adore en tout cas le packaging. Hop. Ok, là il est tout noir tout simplement avec la marque écrite, enfin le nom de la marque écrit dessus. Hop, je pose tout derrière. Alors on va l'ouvrir pour voir si la brosse me convient. Et oui, c'est une assez grande brosse. Moi c'est ce que j'aime beaucoup en fait. C'est les grandes brosses comme ça, je trouve que ça marche, enfin que c'est mieux en tout cas pour moi. Donc ça, je valide totalement. Alors lisons, lisons. Donc ça vaut 23,10€ et c'est un full size. Ok. Donc le mascara waterproof de Plume and Poupy est un indispensable pour une journée au bord de la piscine. L'élément résistant à l'eau permet à vos cils volumineux de rester impeccables pendant la baignade grâce à sa technologie anti-bavure. Bien que ce mascara soit waterproof, il s'enlève facilement avec un démaquillant adapté. Pour l'appliquer, brosser du bout de... Ok, donc ça c'est trop cool. Je suis trop happy. Et le dernier produit, et qui est un accessoire, je suis trop contente. Oh là là, vraiment là. C'est un pinceau maquillage multifonction. Non mais trop bien. Oh, c'est doux. Alors, comment est-il? Il est tout blanc. Ok. Ah ok, j'ai enlevé ça en fait. Ah non, même pas. Et c'est de la marque Nire Beauty, je ne connaissais pas du tout, mais en tout cas c'est non testé sur les animaux, hypoallergénique, vegan et recyclable. Bah écoutez, c'est trop bien. Et du coup c'est, hop, un pinceau 2 en 1, pinceau maquillage multifonction 113, c'est le 113 du coup. Ce magnifique pinceau multifonction est le tout premier pinceau estompeur à double face de Nire Beauty. Et nous l'adorons. Il combine un pinceau anti-cerne classiquement plat et enfilé avec un pinceau estompeur en dôme doux et moelleux. Il est donc parfait pour l'application d'anti-cerne, d'highlighter et d'ombre à paupières. Et il vaut 21,95€. Mais écoutez, je suis trop 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 contente. Moi j'adore les pinceaux. Celui-ci est quand même très canon. J'arrive pas à voir vraiment la couleur. On dirait que c'est du blanc ici. Ou je sais pas si ça tire le blanc ou mauve. J'arrive pas trop à voir. Mais écoutez, moi je suis bien contente. Franchement, je valide totalement. Ils donnent même une petite promo pour la marque Bron. Ça, bon, moi je ne m'en servirai pas. Et ensuite ils partagent, ah oui, on peut aussi partager la glossy du mois. Partagez une photo de votre box de juin sur Instagram pour tenter d'être couronné glossy du mois. Ah trop bien, je ne savais pas du tout, ça c'est trop cool. Je verrai si je le ferai, tiens d'ailleurs. La gagnante sera annoncée à la fin du mois. Ok, je sais pas ce qu'il y a à gagner. Enfin, s'il y a quelque chose à gagner, j'en sais rien. Mais c'est cool. Glossies, n'oubliez pas que vous utilisez... Ok, bah écoutez, clairement, je valide. On refait le petit point sur les produits. Donc, lui, je connaissais déjà, jamais testé. Mais honnêtement, il est cool. Il est fait en France, tout ça. Donc, pour moi, je valide totalement. Celui-ci, grand format, trop cool. Malheureusement, il me convient
correspond pas vraiment, mais disons qu'il peut toujours honnêtement dépanner, ou bien je pourrais trouver usage pour quelqu'un, donc ça c'est pas vraiment un souci hyper grave. Ensuite le pinceau, je pense qu'on peut que valider, il est canon, le 2 en 1 moi j'aime beaucoup, donc ça pareil on valide. Hop, ensuite le mascara que je valide aussi avec sa brosse qui est bien épaisse comme j'aime. Le packaging est canon, bon ça ça va finir à la poubelle mais c'est pas grave. Et ensuite hop, l'huile de lèvres, jamais testée et j'ai hâte de voir honnêtement ce que ça va faire une fois que je vais l'appliquer. Donc écoutez, à tester tous ces petits produits, je suis contente franchement pour la première box, je trouve qu'on a des super produits. Donc c'est trop cool, et bien écoutez, j'ai hâte de recevoir celle de juillet et celle de août. Et puis, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez reçu cette box ou si elle vous tente. Je suis en plein montage de cette vidéo et je viens de voir que la fin n'a pas lieu. Du coup je vous le dis ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.